Salut à tous. On est à l'ancienne gare de Haripradhassar, une ancienne gare qui malheureusement n'est plus en activité. Je vais vous faire découvrir, je vais découvrir avec vous ce magnifique bâtiment. Je vous montre à peu près le futur de la nouvelle gare de Haripradhassar, du côté rive asiatique de la ville d'Istanbul en Turquie. Là, nous avons les anciens bateaux transbordeurs de la rive européenne à la rive asiatique qui transportaient les wagons. Là, nous avons les anciennes. Je vais vous montrer une ancienne rame. Des établissements anciennement actuellement Alstom et anciennement MTE Jeumont, dans le nord de la France. C'était les premières automotrices électriques équipées en 50 Hz, comme celle-ci. Alors voilà, une ancienne automotrice électrique équipée en 50 Hz, une ancienne rame Alstom, anciennement MTE Jeumont. Vous voyez un petit peu l'état délabré de ces automotrices électriques. J'aurais bien voulu avec vous faire une vidéo et faire des photos des anciennes locomotives bébés électriques, semblables à nos bébés 17000. Malheureusement, je suis trop loin pour pouvoir prendre les photos et faire une vidéo, car elles sont garées et elles ne sont plus en circulation, comme nos chers bébés Jacquemin actuellement encore aujourd'hui. Ont été remplacés par les bébés 27000 Prima. Il y en a quelques-unes qui sont encore en bon état, quoi, qui sont pas, il n'y a pas de graffiti, mais malheureusement ça fait quand même un peu bizarre d'être dans une gare un petit peu désert où il n'y a personne, quoi. C'est un peu une gare fantôme, quoi. C'est un peu un labyrinthe, comme vous voyez un petit peu là. Les caisses sont toutes corrodées, qui sont toutes mortes. Je crois qu'il y en a quelques-unes qui vont être vendues au chemin de Bulgarie, chez les Bulgares, mais. Mais quand je vois l'état de ces automoteurs, franchement, je me demande comment se fait-il encore aujourd'hui qu'elles puissent encore rouler.
certaines rames ont été transformées en lieu culturel. C'est ma foi pas une mauvaise idée. Fait chaud là-dedans. Nous avons Monsieur le Chat. Bonjour Monsieur le Chat.